Nous sommes le dimanche 4 décembre 2016 et il est 11h50 du matin. Je viens de finir de faire les courses. J'étais faire les courses ce matin, je me suis levée à 10h. J'ai pas déjeuné encore, j'ai super faim, mais d'abord on va ouvrir nos calendriers de l'Avent et Noli a deux cases à faire parce qu'il a pas fait celle d'hier. Alors, il est où le numéro 3? Il est où le numéro 3? Oh, il l'a trouvé. Non, c'est le numéro 2. Ah, tu le défonces juste? Oui, t'es mal à... Ah, t'as trouvé le numéro 3. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, enfin, quelque chose de qu'est-ce sérieux. Qu'est-ce que c'est? Oh, un Kinder Surprise. Quelque chose de sérieux. Les trucs sont trop petits, quoi. J'avoue que c'est limite hein, pour le sortir en... Et encore, je me défonce. Tu veux que je le fasse? Retourne-le sinon. Ça sera peut-être plus simple. J'avoue que c'est chaud. En tout cas, t'as défoncé le puzzle. Au cas où, si on n'était pas sûr. T'es content de ton Kinder Surprise? Je suis très content de mon Kinder Surprise. Ouais, t'as l'air tellement heureux. Regardez comme il transcende la joie. Il mange même pas le chocolat, il regarde la surprise d'abord. Regardez-le, ce petit enfant. C'est ah, c'est pas les trucs Infinimix. Ah, c'est pas Infinimix. Moi, ouais, j'aime pas ils ont Infinimix. Recommencé à faire des... C'est quoi? Ah bah c'est des petits bonhommes spécial Noël, ouais. C'est un petit lutin. Ouais. Bah, tu le montes pas? Bah attends. Si. Fais voir ce que c'est, fais voir. Non, je vais pas te faire voir. Quoi? Tu veux pas me faire voir? C'est des petits bonhommes spécial pour Noël, d'accord. Fais voir. C'est quoi, il est sur un lance-pierre? Ouais, je sais pas trop. Je sais pas. On dirait les gouins. Ah non, c'est pour mettre autour de... Pour mettre autour de quoi? Je sais pas trop. Mais on l'a pas ça, si? On dirait un tube de colle. Un tube de colle? Je crois un stylo, quoi, je sais pas. Faut le mettre dans les fesses? Ouais, attends. Voilà. Et du coup? Bah du coup voilà. Et ça c'est pourquoi? C'est une bague? Je fais ce que tu veux. C'est une bague lutin? Mais c'est fait pour quoi à la base? C'est fait pour mettre où? A votre avis, c'est fait pour mettre où? Et le numéro 4. Ah, tu l'as trouvé. Ico presto! Y'a quoi dedans? C'est un Kinder normal? C'est ouais. Un Kinder normal. Oh! Avec des lutins. Des petits lutins dessus. C'est à mon tour de trouver le numéro 4. Et il doit être là. Il est là, le numéro 4. Oh, c'est deux petites boules. Merde, j'arrive pas à les sortir. Ah. Putain, mais ils sont sérieux? Ah, c'est plus facile de prendre celle-là. À l'intérieur, c'est du chocolat au lait. Non, je veux du chocolat blanc. Ah. Bon, maintenant, je vais faire à manger pendant que Noli fait la vaisselle. Et je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais tester une nouvelle recette. Mais j'espère que ça va être bon. We'll be right back.
Nous sommes le mardi 6 décembre 2016 et il est 11h18 du matin. J'ai pas du tout filmé du coup hier, ni dimanche, parce qu'en fait on a passé notre temps à jouer. On a joué à Pass of Exile avec Noli. Et puis on a regardé la télé. On n'est pas sorti ni rien. Si on est sorti dimanche matin, je suis sortie, j'étais faire les courses. J'ai peut-être filmé d'ailleurs. Je ne sais même plus si j'ai filmé en fait. Et hier, on est retourné faire les courses et on a acheté des chips. Parce qu'en fait, j'ai vu une vidéo sur internet où il y avait des Coréens qui goûtaient des produits français, notamment des bonbons, des chips, des trucs comme ça. Et il y avait justement les chips piment chèvre. Je les kiffe trop et du coup j'avais trop envie d'en manger, alors j'en ai acheté. Vous savez, c'est celle-ci là. Attendez, vous voyez rien. Je vais vous montrer quand même celle-ci. Bah, celle-ci, je les avais achetées par curiosité il y a quelques temps et je les kiffe trop. Je les kiffe vraiment, je les trouve méga bonnes. Pourtant, j'aime pas du tout ce qui est piment, épicé, tout ce qui pète. Mais là, je les trouve vraiment trop bon quoi. C'est pas trop fort et fromage de chèvre, mais alors là, moi j'adore. Hier, on a regardé Madame Peregrine ou Miss Peregrine, je sais plus, et j'ai adoré. Noli, quand il l'a mis, au début il a dit ouais, je pense que je vais pas aimer, je pense que le film il est nul, mais bon, je le mets quand même. Et au final, il l'a pas trouvé si nul que ça. Moi j'ai vraiment adoré ce film, il est génial pour ma part, moi je trouve qu'il est génial, donc si vous l'avez pas vu, bah allez le voir parce qu'il est fort sympathique. Et on va ouvrir le calendrier de l'Avent. J'ai pas ouvert hier non plus parce que j'ai pas filmé, donc j'avais pas envie de ressortir la caméra pour juste 2 secondes, donc je me suis dit que je ferais tout aujourd'hui, donc je vais filmer aujourd'hui. Alors le numéro 5, il est là, le numéro 5. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a encore un bonbon, celui-là on l'avait goûté. Avec un petit nounours dessus. Et le numéro 6, il est là. Numéro 6. Ah, c'est encore un petit ours aussi. On l'avait goûté. Bah du coup, là je suis en train de prendre mon petit déjeuner, donc je vais pas les manger tout de suite. Regardez là, les bols de céréales là. Donc je vais attendre. Et ça c'est le reste d'hier, j'ai fait une grosse salade encore. Et j'ai fini la soupe que j'avais entamée, la soupe de velouté de potiron. Et Noli il aime pas, il trouve que la soupe elle a un goût de poisson, alors qu'il n'y a pas de poisson dedans. Mais bon, bref. J'ai mis 2 vlogs en ligne hier soir. Donc là je vais continuer d'en monter. Et ce soir j'en mettrai sûrement un ou deux en ligne. Je vais les mettre que le soir, parce que sinon la journée je pense que je vais me faire chier si j'ai pas accès à internet. Je vais m'occuper d'abord de faire le montage pour le calendrier de l'Avent d'Offus. Puis je ferai du ménage aussi parce que c'est un peu le dawa, regardez. Il y a du linge de partout. Donc il faut que je range ça et que je fasse la vaisselle. Et puis après, on aura l'impression qu'il y aura plus de place dans l'appartement. Ah, c'est un truc pourri. Voilà. Montre, c'est le chocobon. Nous sommes le jeudi 8 décembre 2016 et il est bientôt 9h du matin. J'ai pas filmé hier. Mais en fait, j'ai trop abusé parce que le midi, je me suis encore fait des carottes frites. Et comme Nelly était pas là, je me suis dit que j'allais tout faire et que j'allais tout manger. Et en fait, j'ai mangé 500 grammes de carottes. Du coup, le soir, j'avais pas faim et Noli voulait des tacos. Alors j'ai fait des tacos et j'ai mangé 2 galettes de tacos avec. J'ai improvisé de la guacamole à la place de la crème fraîche. Pour moi, je me suis dit que ça serait peut-être plus léger. Mais j'avais trop mal au bide après. J'avais carrément plus faim. Et toute la nuit, j'ai eu mal au bide parce que j'avais trop mangé, mais j'avais l'impression. D'être enceinte, tellement mon ventre il était gros étendu. Et là encore je me réveille, j'ai pas faim. J'ai pas bien dormi cette nuit. Et
Bah là, si je me lève aussitôt, c'est juste parce que j'ai encore mal au bide. Donc je pense que je vais faire une journée de jeûne pour permettre à mon ventre de digérer et arrêter de le faire souffrir bêtement. Du coup, hier, j'ai pas ouvert mon calendrier de l'Avent et je sais pas si je vais l'ouvrir aujourd'hui, peut-être ce soir. Ménoli l'a ouvert hier et c'était un Kinder Surprise. Et la surprise, c'était la même chose que la dernière fois. Alors la dernière fois, c'était celui-ci. On avait dit que c'était une bague, mais en fait, c'est pas une bague. Il y a un anneau, c'est pour mettre des messages secrets. Tu écris un message sur un papier, tu le roules en boule, enfin en parchemin, et tu le mets dedans. Et ben, c'est celui-là, le deuxième. Alors Noli dit que c'est de la merde. Parce que lui, ce qu'il aime, c'est genre des Kinder Surprise de construction. Mais là, du coup, il n'y en a pas eu pour le moment. Hier, j'ai surtout fait de la cuisine et du ménage. Tout ce qui est, je sais pas moi, lessive, vaisselle et rangement. Et j'ai fait un peu de sport aussi. Parce que là, ça va plus. Hein. Entre la SNCF et le fait que je suis toujours derrière un bureau et que je fais plus rien de sportif. Je m'engraisse et je le sens trop et du coup bah ça me plaît pas. Aujourd'hui j'ai rien à faire de spécial, mais je pense que je vais m'occuper d'écrire les poèmes pour ma grand-mère dans le livre. Comme ça bah j'aurai, même si je finis pas, j'aurai bien avancé dans son cadeau. Et après sincèrement, à part du ménage, je sais pas ce que je vais faire. Hein. Je pense même pas streamer aujourd'hui. Hier j'ai pas streamé. Mais aujourd'hui je pense que je vais pas streamer non plus. Parce que je suis pas bien. Franchement je suis pas. Là le fait d'avoir vraiment trop bouffé, je me sens. J'ai l'impression que je. Enfin, pas que je vais mourir non plus, mais j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est assis sur mon ventre en fait. Et du coup j'ai du mal. Je sais pas, faire la fête comme d'habitude. Donc on va voir, peut-être que dans la journée j'arriverai à digérer et après ça ira mieux, mais là pour le moment je me vois même pas faire du sport, donc je vais attendre un peu en espérant que ça passe dans la journée. Comme ça je pourrai faire mon sport encore aujourd'hui.